Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je vous avais promis de faire. Il s'agit du derrière la caméra. Donc je vous montre tout ce qui se passe avant, après et pendant le tournage. J'espère que la vidéo vous plaira et qu'elle ne sera pas trop longue. Voilà, donc je commence par sortir tout mon matériel, donc le trépied de ma caméra. Et le gros sac contient les trépieds pour mes trois parapluies, mes parapluies et les lampes pour les éclairages. Ensuite, venir monter les trépieds de mes trois éclairages, pardon, et je vais vous montrer étape par étape comment je procède. Vous voyez dans la vidéo, j'ai accéléré un peu, sinon la vidéo durerait une éternité. Je viens ensuite mettre en place mon trépied de caméra et ma caméra. Donc pour ça, je descends les pieds comme je le souhaite et je pose ma caméra dessus. Pardon. Il s'agit d'un Nikon D5200. Ensuite, brancher les trois parapluies dans l'ordre dans lequel je vais les utiliser sur une multiprise. Je positionne ma caméra comme il faut et je règle légèrement mes parapluies. Je fais ensuite des réglages au niveau de ma caméra pour que tout soit parfait dans la vidéo.
Je viens ensuite installer mon fauteuil pour pouvoir filmer ma vidéo tranquillement. Je vais ensuite aller chercher tout ce qu'il me faut pour faire la vidéo, entre autres le micro pour m'enregistrer et les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je règle et je positionne mon micro correctement pour qu'il m'entende et qu'on ne le voit pas dans la caméra. Je fais des essais pour voir si mon micro marche bien et ensuite je viens revoir mon look entre guillemets, donc je me détache les cheveux, je revois un peu mon maquillage, etc. avant de filmer. Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de mes produits favoris du moment. Donc on commence par le mascara Bare Essentials de Too Faced qui est juste génial. Donc je vous présente la brosse qui est comme ceci et vraiment je l'aime beaucoup. Il va noircir les cils, vous donner du volume. Par contre le petit bémol c'est qu'il est un peu cher, il coûte 23€ chez Sephora. C'est pas donné mais il vaut la peine, franchement je vous conseille fortement. Donc premièrement, je veux vous présenter un produit pour les lèvres que j'adore. Il s'agit du Endless Love Lip Pencil de chez Kiko. La couleur, je la trouve juste magnifique. Donc c'est un crayon. Voilà, je ne sais pas comment, c'est pas grave, on recommence. Allez, je filme. Hop là. Action. Voilà les filles, ma vidéo est maintenant terminée. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à partager la vidéo. N'hésitez pas à me mettre des idées de vidéos en commentaire si vous souhaitez voir des vidéos en particulier sur ma chaîne. Et moi je vous fais plein de gros bisous, jusqu'à ma prochaine vidéo. Ciao. Et coupé. Donc comme vous l'avez vu précédemment, je viens tourner ma vidéo. Donc certes il y a des petits loupés, mais bon ça arrive dans pratiquement toutes mes vidéos. Et je viens ensuite faire mon montage. Donc pendant le montage, j'ai des divertissements tels que appeler des amis ou écouter de la musique. Et voilà, c'est toujours plus drôle que de travailler complètement dans le calme. Et puis c'est très simple, une fois que j'ai terminé de monter ma vidéo, je la compresse, je fais la miniature avec Photoshop et je la passe sur YouTube. Thank you.
infinie, donc tous les appareils que j'aurai utilisés seront listés en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous, jusqu'à ma prochaine vidéo.